Bon lundi matin tout le monde. Je te souhaite une très très belle journée puis un très beau début de semaine. La semaine dernière, on a reçu un petit cadeau, un petit bijou qu'on aimerait te présenter. C'est la famille Devaux qui nous a préparé une capsule pour nous présenter ses produits. Donc, on pensait que ça pourrait être une belle inspiration pour toi pour lancer la semaine puis aller plus loin dans la thématique liée à l'environnement. Donc, sans plus tarder, on te la présente et on espère que ça va pouvoir t'inspirer à produire ou à réaliser, à concevoir un projet entrepreneurial et environnemental cette semaine au cours de la dernière semaine de notre thématique. Bon visionnement tout le monde et on se voit vendredi. Bienvenue dans la capsule spéciale pour vous présenter les étapes du projet. Donc, on va vous présenter quelques étapes nous ont aidés pour réaliser cette initiative. Premièrement, notre idée était qu'on voulait qu'il manque moins de savon dans les magasins et que les gens soient un peu plus écolo en faisant leur savon et que nous, on leur montre un peu comment faire parce que nous, on faisait déjà un peu avant, donc nous aussi, on était écolo là-dedans. Et c'est pour le public cible, donc, c'est... Les personnes qui veulent faire beaucoup de savon pour qu'ils soient un peu plus écolo avec la planète. 2. Pour régler ce problème, on a décidé de faire un groupe Facebook où qu'il pourrait avoir une capsule et les recettes pour faire les savons qu'on veut. Voici les ressources qui nous ont aidé à réaliser ce projet. Il y a Facebook pour créer le groupe Facebook. Il y a une application nommée Editor Vidéo pour faire nos montages de nos capsules. Il y a une caméra qui nous a aidés pour nous filmer, comme présentement, en train de se filmer. Oui. Et le site internet de PubliSac. 4. Voici les personnes qui nous ont aidés. Alors, Éric Devaux, notre père, qu'on tient à remercier. Et une autre personne travaillant en entrepreneuriat qu'on tient à remercier. Je m'appelle Catherine Brault. Voici nos quatre étapes principales qui nous ont permis de réaliser ce défi. 1. On a organisé le projet. 2. Qu'est-ce qu'on a fait, vous pensez? Ben, vous ne pouvez pas me répondre, mais je crois que vous avez dit ça. Créer le groupe Facebook. Ensuite, on a filmé les capsules et pour finir, on a monté les capsules, donc fait les montages. 6. On est fier du résultat obtenu. On ne pensait pas que ça allait être gros même. Avec autant de cliquets. Merci de nous avoir écoutés. C'était Elliot et Juliette. Et à bientôt!